Cette expérience a été très enrichissante et en tout cas ça m'a permis d'apprendre beaucoup, que ce soit en pratique, dans le domaine professionnel, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de façon pratique, c'est-à-dire comment déjà savoir monter un mur, proprement dit. Quelles sont les étapes préliminaires jusqu'à l'étape finale? Qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir monter un mur? Bon, au départ, nous avons été recrutés pour faire des chantiers écoles pour le ministère. Voilà, c'était une première fois pour moi parce que je n'avais jamais travaillé dans le bâtiment. Tout ça. Au départ, c'était un peu compliqué parce que vu que je ne connais pas le métier, donc puis pour être femme, tout ça, c'était un peu compliqué, dur. Mais nous avons persévéré, pris les déterminations. À la fin de cette formation, je suis sortie avec des compétences de staffeur plaquiste. C'est-à-dire que je peux poser des faux plafonds, tout ce qui concerne le placo et le staff. Je suis en mesure de le faire. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de cette formation. Donc je remercie le gouvernement pour cette immense opportunité qui nous a permis de pouvoir avoir ces compétences-là.